Joyeux Noël tout le monde et bienvenue dans le dernier épisode de mon calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez apprécié écouter chacun des épisodes autant que j'ai apprécié les faire pour vous. En ce moment, au moment où est-ce que je suis en train de filmer la vidéo, on n'est pas rendu tout à fait encore à Noël, mais on se rapproche doucement. Je voulais pré-filmer cet épisode en particulier parce que je sais que le matin de Noël, je vais vouloir prendre ça vraiment plus relax, puis doux, puis déconnecté et pouvoir connecter avec ma famille, mon chum, mon chien. Au moment où la vidéo vient d'être publiée, je suis sûrement encore dans mon lit à faire un petit peu la grasse matinée avec mon chum, avec notre chien aussi. Et puis là, éventuellement, on va sûrement descendre en bas, partir un bon feu de foyer et passer un bon bout de temps à côté du sapin de Noël, à jaser puis à profiter de la compagnie l'un de l'autre. Je pense qu'on va vraiment passer un matin doux et lent, puis en profiter au maximum avant de se préparer pour aller fêter Noël dans la famille à mon père, chez ma grand-maman Samy. Et puis là, aujourd'hui encore, je voulais juste faire un petit rappel sur qu'est-ce que Noël c'est vraiment. Je pense que c'est fondamentalement à propos d'amour, de gentillesse, de partage, de connexion. Si vous êtes chrétien, c'est à propos de Jésus-Christ, bien sûr, mais ça aussi, je pense que c'est fondé sur une base d'amour et de gentillesse. Et puis en fait, c'était vraiment mon but en créant ce calendrier de l'Avent-là, de mon côté, vous partager beaucoup d'amour, de gentillesse et de connecter avec vous de la meilleure façon que je pouvais le faire. Et puis de l'amour, j'en ai tellement reçu en retour de votre part, vous êtes tellement gentils pour vrai. Dans la section des commentaires, vous m'avez tellement laissé les plus beaux mots, les plus beaux messages, les plus beaux partages, les plus belles idées. C'est sûr que là, vu que je faisais une vidéo par jour pendant 25 jours, j'ai pas réussi à répondre à tout le monde ou j'étais vraiment en retard. Mais sachez que j'ai lu chacun de vos commentaires, m'ont toutes fait sourire, m'ont toutes fait très chaud au cœur. Merci beaucoup, beaucoup. Sur ce, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël et un très beau temps des fêtes. Que vous le passiez en famille ou avec vos amis ou même seul. Je vous aime tous beaucoup, beaucoup. Je vous envoie de l'amour et on se revoit en 2020. Bye!